Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais évoquer avec vous quelques événements surnaturels qui me sont arrivés dans ma vie. Le premier événement surnaturel, c'est que mon âme est sortie de mon corps. J'étais allongé sur ce lit d'ailleurs. C'était il y a 20 ans, ou plus de 20 ans. Et j'écoutais du trip-hop. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une musique très lascive. Très planante, et je me suis mystérieusement assoupi en écoutant donc ce CD de trip-hop, et j'ai donc dans cette sortie hors de mon corps, j'ai vu cette fameuse lumière blanche au loin. Je me suis senti léger, je me suis senti empli d'une félicité intérieure. Et donc j'ai cherché à aller vers cette lumière blanche, mais là j'ai réintégré mon corps, mon âme a réintégré son corps, et j'ai senti d'ailleurs toute la lourdeur de mon corps. Donc voilà, j'ai vu cette fameuse lumière blanche que beaucoup de gens voient lors d'une expérience de mort imminente. Si vous ne connaissez pas les expériences de mort imminente, je vous invite à faire vos recherches. Ce sont des gens qui ont été diagnostiqués morts quelques minutes et qui, lors d'une sorte, leur âme est donc sortie de leur corps et ils racontent aussi, la plupart racontent qu'ils ont vu cette fameuse lumière blanche. Le deuxième événement surnaturel, c'était lorsque j'étais au sanctuaire Notre-Dame du Losse, donc c'est dans l'Isère. Et donc ce sanctuaire est connu parce que Notre-Dame y est apparue à Benoît Trancurel, c'était au temps de Louis XIV, au XVIIe siècle. Et c'est un sanctuaire qui est connu aussi pour son huile de guérison. Donc si vous cherchez une huile de guérison, vous pouvez vous tourner vers le sanctuaire du Losse, aller sur leur site et commander cette huile. Mais ce sanctuaire est aussi connu pour les parfums que certains pèlerins sentent. Et figurez-vous que moi, j'ai senti justement un parfum de rose. Alors, la rose est la fleur préférée de Marie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous prions le rosaire, parce que nous offrons des couronnes de roses, des petits chapelets de roses, des couronnes de roses à Marie. Et donc j'ai senti cette odeur de rose, une odeur vraiment très prégnante. Je crois que c'était une rose rose d'ailleurs. Et j'ai vérifié dans le sanctuaire, à l'époque, en tout cas 2013, l'été 2013, ils ne cultivaient pas de rose en fait dans le sanctuaire. Donc c'est vraiment une senteur surnaturel, et que je pense que à l'été 2013, j'étais récemment converti, quoi. J'étais retourné en état de grâce par la confession 6 mois auparavant. Donc je pense que c'est un encouragement de Notre-Dame pour que je prie le rosaire, parce qu'à l'époque, j'essayais de prier le rosaire, mais je ne le priais pas encore quotidiennement. Le troisième événement surnaturel, c'est que j'ai entendu des locutions intérieures. Donc on peut dire que j'ai entendu deux locutions intérieures dans ma vie. La première locution intérieure, c'est à l'époque, j'avais un gros problème au travail. Il fallait que je trouve une solution, sinon l'entreprise pour laquelle je travaillais perdait 500 000 euros. Donc il fallait que je trouve une solution, sinon on allait au contentieux et même mon entreprise risquait de perdre très gros. Donc il fallait que je trouve une solution. Je peux vous dire que j'ai très mal dormi pendant 15 jours. Je priais Saint-Joseph. Et donc je dormais très mal et à un moment j'ai entendu « T'inquiète pas, ça va bien aller Emmanuel ». Donc là, je pense que c'était mon ange gardien. Et d'ailleurs, ça s'est bien fini, puisque un peu, un peu, euh, un,
j'ai réussi à trouver une solution. Donc, j'ai réussi à trouver une solution. Donc, effectivement, ça a bien allé pour moi. Et j'ai eu une deuxième locution intérieure, c'est quand une de mes collègues est décédée. Là, en fait, quelques jours après sa mort, j'étais au bureau, j'étais au bureau, on partageait le bureau avec ma collègue décédée, et donc j'ai entendu « Je suis sauvé, Emmanuel ». Donc, je prie ma collègue qu'elle m'aide dans mon travail. Et donc, j'ai entendu clairement. Alors là, en fait, je crois que c'est une locution intérieure, mais c'est possible que je l'ai entendu aussi de manière surnaturelle, venant de ce côté-là. Ensuite, le quatrième élément surnaturel dans mon existence, c'est les serrements de cœur. C'est-à-dire que je crois que Dieu se serre mon cœur quand il veut me souligner quelque chose. Donc, par exemple, quand je suis à la messe en train de lire les Écritures du jour, la liturgie du jour, parfois mon cœur se serre à un certain passage, ou alors quand nous chantons à la messe, mon cœur se serre à certains passages. Par exemple, ne crains pas, voilà, mon cœur se serre. Je crois que Dieu se sert de ça pour me faire passer des messages. Bon, c'est des messages essentiellement pour me rassurer, en fait, pour me donner la paix, pour me dire qu'il ne faut pas craindre les tribulations. Et aussi, je voulais vous raconter que, toujours par rapport à ces serments de cœur, un jour, quand j'habite Paris, j'ai la grâce de... Enfin, à l'époque, on pouvait vénérer la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris. Donc là, je ne sais pas où on peut la vénérer, mais en tout cas, à l'époque, on la vénérait tous les vendredis de carême. Donc, à Notre-Dame de Paris. Et là, juste avant de... Donc on baise la relique. Enfin, la couronne d'épines est cerclée dans un écrin. Et donc on baise l'écrin. Et donc là, juste avant de baiser l'écrin de la relique de la couronne d'épines du Christ, j'ai mon cœur battait à tout rompre. Mon cœur battait à tout rompre, donc c'est vraiment, je pense que c'était vraiment surnaturel, puisque je n'avais fait aucun effort auparavant, c'est vraiment un battement de cœur surnaturel. Et enfin, là c'est peut-être moins surnaturel, là en fait, je pense que Dieu se sert des coïncidences pour... pour se rappeler à son bon souvenir, pour montrer sa présence dans nos vies. Il se sert des coïncidences, des heureux hasards, ce que Carl Gustav Jung appelait les synchronicités. Donc pour vous donner quelques exemples, par exemple, j'ai en tête un mot peu banal, et peu de temps après, j'entends ce même mot peu banal dans la bouche de quelqu'un, donc en l'occurrence c'était un diacre. Par exemple, quelque chose d'un peu plus impressionnant, c'est-à-dire que dans le parc, près de là où habitaient mes grands-parents, il y a une sculpture de Louise Bourgeois qui s'appelle Les Bienvenus. D'ailleurs, c'est pas une œuvre très remarquable. Enfin, c'est de l'art contemporain. On aime ou on n'aime pas. Moi, en général, je considère que l'art contemporain n'est pas vraiment digne d'intérêt. Je préfère l'art classique, surtout l'art religieux.
Et en fait, cette même sculpture, donc, qui pendait à des troncs d'arbres dans le parc de Choisy-le-Roi, là où habitaient mes grands-parents, eh bien, cette même sculpture était dans le hall de là où je travaille toujours d'ailleurs. Cette sculpture était dans le hall, donc, enfin, une reproduction en plâtre, alors que l'original est en métal, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, voilà, je pense que. Alors, cette sculpture n'est plus à mon travail, elle est restée, je pense, un peu moins d'un an et demi dans le hall de mon immeuble pendant que j'y travaillais. Et je pense que c'est une manière de Dieu pour me dire que c'était là où il veut que je sois, en tout cas pour mon travail. Et donc du coup, je n'ai pas changé de travail. Je suis toujours bien là où je suis. Et donc voilà, je pense que Dieu se sert des échos, des répétitions dans les différentes sphères de notre vie, qu'elles soient personnelles, familiales. Amical, professionnel, je pense que voilà, il y a des choses, il y a des résonances, il y a des résonances. Et justement, je pense que c'est toutes ces résonances, ces échos sont là pour manifester de la présence de Dieu et pour nous dire qu'il est toujours là, qu'il sera toujours là jusqu'à la fin, sachant que moi, j'ai ces échos, ces résonances. Pratiquement toutes les semaines en fait. C'est-à-dire que je vois dans les différentes sphères de ma vie, il y a des choses qui se répondent en écho. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, je lis un livre sur le. Je commence un livre sur l'histoire du Vietnam. Et en allant à mon travail, je croise un Vietnamien que je ne croisais pas d'habitude en fait. Donc voilà, c'était. C'était un peu pour vous parler de ces expériences surnaturelles dans ma vie. Je pense que Dieu nous parle tous différemment. Et je pense que donc Dieu s'adapte à nous. Mais si vous êtes vigilant, si vous êtes attentif, je pense que vous pouvez repérer aussi ces coïncidences, ces hasards, ces synchronicités. Je pense que tout le monde peut en repérer. Après, j'ai eu des grâces très particulières. Hein, mais je pense que si vous êtes proche de Dieu, donc essentiellement par les sacrements, si vous êtes un bon catholique, si vous êtes en état de grâce, si vous êtes fervent, priant, vous aurez des grâces. Je ne vois pas pourquoi vous n'aurez pas des grâces aussi fortes que moi, par exemple, des grâces surnaturelles. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.